بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وتقي الطائعين وعن الله دائم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين من رب العالمين قال الله العظيم في كتاب الحكيم بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبله ومن يتبلل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل صدق الله العلي العظيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate al-Baqara, donc le verset 108, voulez-vous demander à votre prophète ce qui a été demandé à Moussa auparavant, celui qui troque la foi contre la mécréance et garde le droit chemin, entre parenthèses, chemin de la raison et de la disposition innée en l'homme. La suite du tafsir, là, ça ne dépasse pas une page, et moi je suis étonné encore une fois de méthodologie de ce tafsir. Indépendamment de là, il a un tout petit peu de choses à dire, puisqu'il va nous ramener ce que dit les tafsirs, notamment les tafsirs al-Bakri et chiites, mais pas en citant des narrations des Ahlul Bayt, alhamdoulilah, que nous avons le tafsir de Hassan al-Askari, alayhi salam. Je suis étonné parce que parfois il a cité 3-4 versets ensemble, qui nécessitaient des très longues explications, et là, dans ce verset, il aurait très bien pu regrouper plusieurs versets, chose qu'il n'a pas faite. Donc je ne comprends pas trop la méthodologie, parce que parfois il regroupe des versets qui nécessitent beaucoup d'explications, et là il prend qu'un seul verset qui n'a pas grand chose à dire, surtout pour lui. Après, quand on va prendre le tafsir de Ibn Hassan al-Askari, il y en a pas mal de choses à dire, on va rétrécir. Mais là, concernant son tafsir, ça ne dépasse pas une page. Donc il aurait très bien pu regrouper plusieurs versets. À la Koulihal, ceci étant dit, je vais commencer ce que dit Moufasser. Dans les livres de commentaires du Coran, on évoque une série de circonstances de révélation qui ensemble aboutissent à une même conclusion. La première circonstance de révélation est tirée de ce hadith rapporté d'Ibn Abbas. Donc là, il parle du verset coranique. Un jour, Wahab ibn Zayd et Raphaël ibn Armala vinrent au père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et dirent « Apporte une lettre de la part d'Allah » en notre nom, afin que nous l'aisions et croyons en toi, ou alors fais couler des ruisseaux pour nous, afin que nous le suivions. » Ça, c'est dans Tafsir Majm al-Bayan, volume 1, page 183. Est-ce que c'est un argument? Je ne sais pas. L'argumentation vient de Ibn Abbas, et c'est rapporté par Ibn Abbas, avec un récit qui concerne le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas rapporté par les imams. Je vous laisse conclure, est-ce que c'est une preuve ou pas? Vous pouvez considérer, par exemple, si Ibn Abbas, vous le considérez salih, vous pouvez considérer ce récit valable, tout en sachant qu'il vient de Tafsir Majm al-Bayan, volume 1, page 183. Ou bien vous le rejetez, ça ne importe pas grand-chose. De toute façon, vous allez voir que le Tafsir de Ibn Hassan al-Askari alayhi salam va clarifier ce verset. D'autres personnes présentent plutôt cette circonstance de révélation. Un groupe d'Arabes avait demandé au prophète de l'Islam, sallallahu alayhi wa alayhi, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ce que les Juifs avaient demandé à Moussa, alayhi wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad, donc le prophète Moïse. Ils dirent, montre-nous Allah de manière apparente afin que nous le voyons de nos propres yeux, puis nous croirons en toi. Le verset suivant descendit en guise de réponse pour eux. Tafsir Abul Futuh al-Razi, volume 1, page 289. Le commentaire. Prétexte sans fondement, bien que ce verset s'adresse pas aux juifs et pointe plutôt un groupe de musulmans de faible foi et un groupe de idolâtres, il a toutefois des rapports avec le passé des juifs comme nous le constaterons. Peut-être que c'est de l'événement du changement de la Qibla qu'un groupe de musulmans et de mécréants fut influencé par les tentations des juifs pour demander des choses stupides dont nous avons évoqué un exemple au prophète de l'islam. Donc là il prend uniquement les versets précédents, il va les relier avec ce verset. Est-ce que c'est valable? Je vous laisse le choix. Il y a des gens qui le font, mais quoi qu'il arrive, parfois, il y a des versets que même au milieu du verset, c'est un autre sujet. Donc, je ne suis pas sûr que prendre ce qui avait précédemment le verset ou autre pour commenter le Coran, c'est une chose valable.
On doit toujours revenir à Mohammed ou Ali Mohammed pour le commenter. Allah leur défend de demander de telles choses. Voulez-vous demander à votre prophète des choses absurdes que les autres ont demandé à Moussa auparavant? Donc là, il est en train de paraphraser les versets coraniques. Et refuser de croire en se cachant derrière ce genre de prétexte. Étant donné que ce genre de comportement équivaut à une forme de négoce entre la foi et la mécréance, Allah ajoute à la fin du verset, celui qui troque la foi contre la mécréance s'égarera du droit chemin. Il ne faut pas qu'on fasse l'erreur ici. L'islam n'est pas contre les questions intellectuelles, logiques, et il n'est également pas contre le fait de susciter un miracle pour confirmer la vérité de l'appel d'un prophète. En effet, la compréhension et la foi reposent sur ce genre de choses, mais il y avait ceux qui, pour éviter de se soumettre à l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avançaient des questions sans fondement et des demandes absurdes en guise de prétexte. Nous arrivons au tafsir de l'imam Hassan Askari alayhi salam, donc qu'est-ce que l'imam nous dit concernant cela? Donc le verset. Donc l'imam Hassan Askari a dit que l'imam Ali ibn Muhammad, fils de Ali, fils de Moussa al-Reda, donc Ali al-Radi alayhi salam, a dit « Voudriez-vous ?» C'est-à-dire, vous, les infidèles de Quraysh et les juifs, interrogez votre messager sur les miracles, à la suite desquels vous ne savez pas si vous serez corrigé ou si vous allez recourir aux méfaits. Comme auparavant, on interrogea Moussa, alayhi salam, comme il a été suggéré au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous, lorsque vous dites, ô Moussa, nous ne te croirons qu'après avoir vu Allah clairement. Alors la foudre vous saisit, tandis que vous regardiez. C'est la sourate al-Baqarah, donc, le verset 55 que j'avais cité précédemment dans le tafsir. Je vais y revenir tout de suite. Ba'da'oudou billahi samia al-rani minash shaitan rajim wa idkultun ya Moussa la nu'minu laka hata nara Allah jaratan fa'adukumu sa'iqatu wa antum tandurun sadaqallahu al-aliyu al-azim. Quiconque subsistue la mécréance à la foi, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur a répondu après avoir été interrogé ce qui lui suggérait de demander à Allah de leur montrer. Cela ne les convenait pas. Et quiconque substitue la mécréance à la foi, car ils ne croiront pas en ce qu'ils ont vu après l'avoir suggéré, ou ne croiront pas et diront que ce n'est pas ce qu'ils ont demandé, et que c'est satisfaisant pour lui, l'évidence qu'Allah a établie en manifestant les signes clairs, ils échangeront leur foi contre la mécréance par leur hostilité et ne considéreront pas les preuves établies contre eux comme une obligation et s'égarent certes du droit chemin, se trompant en ayant quitté la route qui le conduisait au jardin et prenant la route qui le conduisait au feu. Ibn Hassan Askari alayhi salam a dit qu'Allah avait interdit aux juifs, ô vous juifs, voudriez-vous, après avoir reçu le Coran, interroger votre messager? Les juifs demandèrent d'aller lui poser des questions d'une manière éloquente. Un bédouin se rapprocha comme s'il était poussé par quelqu'un derrière lui, portant un bâton sur son épaule et suspendu à son corps. Il y avait un sac sur sa tête qui contenait quelque chose que personne ne connaissait. Il a dit, ô Muhammad, réponds-moi, car j'ai quel... Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa al-ajjal faraj wa al-anada. Réponds-moi, car j'ai quelque chose à te demander. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, ô frère arabe, les juifs ont demandé avant toi, laisse-moi les écouter en premier, ensuite je le ferai avec toi. Le bédouin répondit, non, car je suis un étranger, je passe juste par là. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors dit, tu as le droit, car tu es un étranger et voyageur. Le bédouin alors dit, il y a autre chose aussi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda, qu'est-ce que ce sera? Il a dit, ceux-ci présents ici sont les gens du livre, et ils prétendent et pensent être la vérité, et je crains qu'ils ne soient d'accord avec vous sur quelque chose que vous pourriez dire. Et ils gâchent la religion des gens. Je ne serai pas convaincu par ce genre de choses, sauf par l'affaire entre nous. Au sujet de Ali alayhi salam étant la porte de la ville de la sagesse. Le messager d'Allah... Excusez-moi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam demanda où est Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Ils l'appelèrent jusqu'à ce que Ali alayhi salam arrive près de lui. Le bédouin dit ô Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa al-ajjal farajhum wa al-anadahum. Qu'ai-je à faire avec celui-ci alors que c'est toi que j'interroge? Le prophète répondit ô bédouin, tu veux me poser une question ouverte et cet homme est clair dans ses déclarations et possède un savoir vaste. Je suis la ville de la sagesse et l'on est la porte. Quiconque souhaite avoir la sagesse et le savoir doit entrer par cette porte. Sujet de la comparaison avec les prophètes, lorsque Ali, alayhi salam, se dressa devant le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, celui-ci a dit d'une voix lourde, « Ô serviteur d'Allah, quiconque veut voir Adam dans sa majesté, et Shit dans sa sagesse, et Idris dans son intellect et réputation, et Noé dans sa gratitude au Seigneur et son adoration, et Ibrahim dans sa loyauté et amitié, et Moïse dans sa haine de tous les ennemis d'Allah, et Jésus dans son amour pour tous les croyants, les traitant bien, devrait regarder Ali ibn Abi Talib, alayhi salam. » Lorsque les croyants ont entendu cette parole,
salawatullah alayhim ajmain. Wa afdala salat ala Muhammad wa ali Muhammad. Lorsque les croyants ont entendu cette parole, leur foi augmenta, tandis que l'hypocrisie des hypocrites augmenta. Le bédouin a dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi, cela est la louange du fils de ton oncle. Son prestige est ton prestige, son honneur est ton honneur. Je n'accepte rien de cela, jusqu'à qu'une telle personne témoigne qu'il n'y a pas de mensonge, ni de méfait, comme ce lézard. Il y avait un lézard qui passait par là. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi, ô frère arabe, sors-le et prends-le, et essaie de lui demander son témoignage. Et il rendra témoignage à ma prophétie, et ce frère à moi et à son statut élevé. Le bédouin a dit, je l'ai attrapé avec beaucoup de difficultés, et j'ai peur qu'il puisse s'enfuir. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, ne crains rien, car il ne s'échappera pas et ne s'enfuira pas, mais il restera et témoignera en notre faveur et nous ratifiera dans notre statut préférentiel. Le bédouin a dit, j'ai peur qu'il s'échappe. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, s'il s'échappe, alors cela est suffisant pour nous contredire, et cela sera un argument contre nous. Il ne s'échappera pas, mais il témoignera pour nous. Quand cela sera terminé, laisse-le partir, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam te donnera mieux que cela. Le bédouin sortit le lézard de son sac et le plaça à terre. Il resta immobile et regarda le messager d'Allah, puis se frotta les joues sur la terre et souleva sa tête. Et puis Allah lui donna le pouvoir de parler. Il se frotte les joues sur la terre. Ça vous rappelle quelque chose, non? Le tafsir, le soujou de choukr que nous faisons, qui montre un état de soumission envers Allah. Là, il montre sa soumission envers les sacro-saints. Et après, il parle. Il a dit, je témoigne qu'il n'y a pas de Dieu qu'Allah, celui qui est sans associé, et je témoigne que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Celui avec ses attributs est le chef des messagers et le préféré de toute la création. Le dernier des prophètes est le dirigeant du resplendissant. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najjal farajahum wa al-anadahum. Et je témoigne que son frère Ali ibn Abi Talib alayhi salam a les mêmes qualités que lui et a les vertus que tu as mentionnées auparavant, et ses amis seront prestigieux au paradis, ses ennemis humiliés dans le feu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najjal farajahum wa al-anadahum. Le bédouin alors dit, ô messager d'Allah, et je témoigne aussi ce que le lézard a dit dans ce que j'ai vu et entendu. Je n'ai pas d'alternative ou de sortie, d'échappatoire. Puis le bédouin s'adressa aux juifs en disant « Malheur sur vous, quel signe voudrez-vous voir après cela? Et un miracle après cela, que suggérez-vous? » Tous ces juifs ont professé la croyance et ont dit « Votre lézard s'est avéré une grande bénédiction pour nous, ô frères arabes. » Ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Laisse le lézard partir, et Allah te compensera avec mieux que cela, car ce lézard croit en Allah et son messager et en son frère, le frère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et a témoigné avec véracité. Il n'est pas approprié qu'il soit chassé ou retenu en captivité. » Mais il devrait être laissé libre, car il a l'avantage sur le reste des lézards, et par la grâce d'Allah, il deviendra leur chef. Le lézard a crié, ô messager d'Allah, donnez-moi l'opportunité de lui donner la compensation et de l'amener à l'atteindre. Le bédouin a dit, quelle compensation me donnerez-vous? Le lézard a dit, va dans le trou d'où tu m'as pris, et tu y trouveras 10 000 dinars et 300 dirhams. C'est une somme énorme, puisque dinars, c'est en or, hein. Et dirhams, c'est l'argent. Le bédouin a dit, comment je fais ça? Ils ont tous entendu cela de la part de ces lézards, ces gens qui sont présents ici, et je suis fatigué. Je ne me sens pas en sécurité, certains d'entre eux iraient là-bas et prendraient ce butin. Le bédouin a dit, ô frère arabe, Allah a gardé cette compensation juste pour vous. Si l'un d'entre eux vous précède, aucun d'entre eux ne l'obtiendra. Et le bédouin était fatigué et a marché lentement, et un groupe d'hypocrites qui était présent avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a précédé pour y arriver. Ils ont mis leurs mains dans ce trou et un grand serpent en est sorti, les a mordus et les a tués. Le bédouin est resté là jusqu'à l'arrivée du bédouin. Pardon, le butin est resté là jusqu'à l'arrivée du bédouin. Le butin lui a dit, ô frère arabe, regarde-les, regarde comment Allah m'a ordonné de les tuer, le serpent, pardon, pour avoir pris ce qui ne m'appartenait pas, car c'est ce que je te donne, le lézard, et il m'en a fait un protecteur. Le bédouin a pris les dirhams et les dinars, mais n'a pas été capable de les soulever tous. Le serpent lui cria, prends la corde autour de ta taille, attache-la autour des sacs, attache-la à ma queue, et je t'amène cela chez toi. Donc c'est un serpent géant, une créature créé par Allah Azzawajal pour cette occasion. Et j'en suis le gardien ainsi que de son propriétaire. Le serpent est allé et n'a pas cessé de garder la richesse jusqu'à ce que le bédouin l'ait dépensé pour l'acquisition de propriétés et de jardins. Puis le serpent est parti. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa najjal farajahum wa al-anadahum. Aktafi bada al-qadr wa sallallahu alayhi wa sallam wa salamu alaikum wa rahmatullah.